Peuple haïtien, peuple de Lévite, peuple Israël là, bonjour. C'est un plaisir pour nous retourner avec vous chaque matin dans l'heure que bon Dieu mettait disponible à nous pour que nous soyons capables de partager la parole éternelle, Yahweh, le Saint d'Israël, avec vous. Nous croyons que tout le monde a passé une bonne nuit. Et tout le monde réveillé en bonne santé pour être capable de faire une belle journée sous la présence du Tout-Puissant. Pour nous commencer, nous avons baissé tête et nous avons invoqué la présence du Saint d'Israël parmi nous. Papa, nous qui dans le ciel, grand Dieu Tout-Puissant, que nous sommes capables de bénir d'éternité en éternité. Pour choisir ça qu'on fait de peuple en Haïti, pour restaurer nous. Nous louons, nous bénissons, nous salmodions et nous remercions. Papa, parlez avec peuple dans une minute ça, car peuple à travers la terre entière veut tant de paroles. Parlez avec eux, vivifiez-les. Sanctifiez-vous. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Pour commencer, nous chantons chanté habituel, nous. 207. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs. Qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Ô délicieuse vie d'un disciple de Jésus, qui pour son maître s'oublie en annonçant ses vertus. Au cœur accablé de peine, maudissant leur triste sort. Aux captifs chargés de chaînes et tremblant devant la mort. Dites que Dieu, dans sa grâce, de son Fils nous a fait don. Et que la croix efficace nous assure son pardon. D'abord, dans le message, nous avons étudié la loi de Yahweh, la loi de l'Éternel. Question à poser, est-ce que la loi t'es commencé sur le mont de Sinaï. On t'a déjà justifié que la loi n'a pas commencé sur le mont de Sinaï. La loi t'est méconnue par ce peuple parce que il t'est passé des années en esclavage, près de 400 ans en esclavage. So, à ce moment-là, il oublié la loi, bon Dieu. Bon Dieu, rappelez-vous la loi. Parce que l'arrivée dans le quatrième commandement, bon Dieu dit, souvenez-vous, rappelez-vous. Remember, son bagage était déjà. Et que bon Dieu retransmette les bagages. Maintenant, lorsque nous retournons dans Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, est-ce que tu as la loi de Dieu? Oui, Adam et Ève, tu as gagné la loi divine. C'est à partir de la loi qui fait que nous sommes capables de déclarer que nos premiers parents ont péché. Si nos premiers parents n'ont pas de la loi de l'Éternel, ils n'ont pas qu'à dire qu'ils ont péché. Si ils ont transgressé, qui ça veut transgresser? Ils ont transgressé la loi de l'Éternel. Et puisque ils ont transgressé la loi de l'Éternel, ils ont péché contre l'Éternel, c'est ainsi que Noé, ange bon Dieu, descend dans le jardin d'Éden et il était chassé du jardin d'Éden. Parce qu'il était
péché contre l'alliance ou la loi que bon Dieu t'a gagné, t'a signé avec yo. Côté nous joindre ça pour dire parlant d'Israël, le prophète Osée déclare: ils ont comme le vulgaire transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Osée 6, verset 7, l'Éternel qui a parlé, oui, au sujet de Adam et Ève. Par conséquent, Israël, à l'instar d'Adam, a transgressé l'alliance. OK? So, Paul a aussi parlé aussi du péché que Adam et Ève ont fait. Dans Romains 7, verset 7, Paul dit qu'il n'aurait connu le péché que par la loi. Si pas que la loi, Adam et Ève pas qu'à pécher, c'est parce que la loi existait. Le même principe s'applique à Adam. Il n'y aurait jamais eu de péché de la part d'Adam en l'absence d'une connaissance de la loi. Si Adam pas gain la connaissance de la loi de Dieu, ou pas qu'a dit Adam péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. OK? Péché t'est existé dans le jardin d'Éden. So, c'est la péché. Pour nous même, c'est la péché originaire. But, bon Dieu, qui est-ce qui t'est péché en va Adam? Qui descend de vivre séduit Adam? C'est le diable. Le diable péché avant Adam. Le diable révolté dans le ciel là. Il n'y a pas de le diable, il est le Lucifer, ange de lumière. Le péché dans le ciel là, révolté contre le très haut, contre notre créateur. Il est révolté, il est péché. Et c'est ainsi qu'il y a une guerre dans le ciel là. Et il descend avec un tiers d'ange accompagné là. Qui suivent lui sont toujours des rebelles. Oui, même dans le ciel, là, tu es un rebelle. So, l'ennemi, hein, le diable, le serpent ancien, avec tout acolyte, Léo, tout mauvais ange, mauvais ange, Léo, il descend, l'éternel précipité sur la terre. Gain qui était dans les airs, gain qui. Tout côté, c'est ça que l'Éternel dit, pas faire aucune image taillée, ni aucune chose qui allait dans le ciel là, qui dans l'espace, qui sous la terre, et qui en battait. Je dis à ça, non, oui. Nous faisons image toutes, ni ça qui en l'air, ni ça qui dans le ciel, nous faisons image ange. Nous faisons image toute bagaille. Nous faisons image ça sous terre, ça qu'en bas terre. Nous avons regardé un movie télé sous le fleuve du Congo. Une minute. Sous le fleuve du Congo, il y a beaucoup bon d'images. So, toute image ça a été dit dans le petit commandement. Pas fait image de aucun ça ouais qui en l'air qui en bas ou bien ça imaginez qui en l'air qui en bas et qui en bas de l'eau. So laisse que nous faisons ça nous fait nous transgresser la loi de Dieu. So avant même qu'il y ait d'autres péchés, t'es gagné Lucifer qui t'est péché en premier avec tout ange qui t'est accompagné Léo, un tiers d'ange. T'as oublié, l'ennemi en prend un tiers, l'Éternel rete deux tiers. Chaque temps, yon mauvais ange paraît bokoto pour faux, pour séduire, l'Éternel voyait deux. L'Éternel voyait deux pour contrefaire et faire Satan. Ok? L'ennemi envoyait quatre. L'Éternel doublé, il voyait huit. So, c'est ça que nous toujours dit, ça qui est avec nous, hein, les plus forts, l'Éternel plus puissant, parce que il était
te tient d'anges, et les anges sont des milliards et des milliards et des milliards, des millions d'anges, nous dit la parole de Dieu. Ok? So, à quoi est comparée la loi de Dieu? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Pour moun ki konnen ki di, le Jésus-Christ fin mouri sou kwa, la loi pa existe encore. Mais ça Paul dit dans Galates 3 verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi ne peut pas nous sauver, mais la loi nous conduit à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Nous-mêmes, nous avons toujours couru dit, la foi qui peut sauver, la foi qui peut sauver. Oui, la foi qui peut sauver, mais il faut gagner la loi qui peut conduire. Nous parlons plutôt, nous parlons comme ça que la loi dont Paul parle ici se réfère à l'ensemble du système juif. Par contre, quand nous parvenons au verset 25, Paul dit que le système juif ne peut plus conduire à Christ. Il est venu. Toutes les lois d'Israël, morales, rituelles, tous ont servi à préfigurer le Messie, mais ils l'ont rejeté quand il est venu. Toute loi rituelle, yo, toute loi sacrificielle, yo, moi, je dis que Paul parlait de deux lois. Il parlait de une loi qui est éternelle, une loi qui vous conduit à Christ. Et en même temps, tout, il parlait de une loi que vous ne pouvez pas observer encore. Ce sont les lois rituelles, lois qui ont affaire avec les lois cérémonielles, mais la loi morale. Les 10 commandements, c'est une loi qui est éternelle. C'est lui qui a conduit à Christ. C'est lui qui rappelle qu'on péché. C'est lui qui fait ouais qui côtoyer. Ok? Plutôt, il dit donc ça que la loi, c'est un couillon miroir pour garder figure. La loi va pas sauver, mais la loi, c'est comme un miroir. Le garder la loi dit oh, violer en loi, péché là, oui. Moi, je fais un bagage drôle là, oui. Parce que mais la loi dit, je ne vais pas voler. Ah, puisque je fais un coup de maltraite là, je bénéficie de 10 000 dollars là, mais ce n'est pas dans le droit chez même fait, non. Ah, la loi dit, je ne vais pas voler. So, puisque je vais mentir, je vais violer la loi. Et pas oublier, la Bible dit, Lucifer, Satan, le diable, c'est le père du mensonge. So, l'Éternel n'est pas d'accord à mensonge. So, ou fait mentir, ou font façon, ou péché, pour bénéficier un bagage quelconque, ou péché. Ou doit confesser chaque jour la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Ouvrir pour venir confesser, pour demander pardon, pour péché. Yo. Et moi, je pour qu'ils aient tout l'important. Lorsqu'ils ont entré dans le royaume bon Dieu, ils ont entré dans parmi l'assemblée l'éternel là, faut que. Ou baptiser son lavage, son nettoyage de tout péché ça a été commettre pour que ou sanctifier, ou laver, ou justifier. Ok? Par la foi en Jésus. Mais il y a une série de steps, des étapes pour prendre. Ok? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1er, verset 23 à 25. Moun qui refusait garder le commandement mondial,
c'est comme si ou te mette, ou te gade tête dans le miroir. Miroir dit ou ça qui wrong, ça qui mal pour fixer ou et pour refuser. Et pour refuser, c'est ça ou fait lorsque ou fin apprendre toute loi ça yo tant que je dis la pensée toute loi de l'Éternel yo et puis kounye a ou pas occuper nous mépriser tout s'entendre ou mépriser ou refuser mettons en accord avec la volonté de Dieu. Donc ou choisi pour désobéir les commandements de Dieu. Bon Dieu promet que la écrit loi yo dans cœur nous pour permettre que nous obéir avec volonté, avec précepte liyo. Même yon te fait pour Adam et Eve. Nan tan Adam et Eve, pas de gon livre. Pas de gon livre qui te écrit. Pour te expliquer la loi pour Adam et Eve te ouvri Bibli pour te recontre la loi écrit. Mais bon Dieu te parle avec Adam et Eve. Bon Dieu te écrit ces lois nan dan ke Adam et Eve. Je dis à bon Dieu écrit loi liyo nan ke nou. Li ba nou conscience vivant pour que nous capables réveiller, pour que nous capables observer la loi yo. OK? La loi révèle-t-elle la volonté de Dieu? Dans Romains 2, Paul expliquait: alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. OK? Psaume 40 verset 8. Et aussi lis Romains 2 verset 16 et 17. Lorsque Paul enseigne le thème fin de la loi, fin de la loi, encore les lois cérémonielles. Ça signifie but et objectif loi, parce que c'était prédiction que Jésus-Christ est pour mourir sur la croix. Jésus-Christ mourir sur la croix, les lois cérémonielles effacées par la loi morale, par les 10 commandements, par les principes de Yahweh, par les fêtes de Yahweh, ça n'est pas effacé. OK? Mais Christ atteint cet objectif ou ce but de la loi pour celui qui croit en lui. En croyant en Christ, on est pardonné et déclaré juste. C'est pas la foi. C'est pour croire. Pour gagner la foi. C'est là ça ou accepter sacrifice que Jésus, le sacrifice que Yahweh opéré pour vous sur la croix ou bien sur le bois infâme du calvaire. OK? OK, mais comment on va garder la loi? Ou besoin l'esprit de Dieu qui pour aider ou l'esprit de Dieu, sans l'esprit de Dieu, ou pas capable obéir à la loi, ou pas capable garder la loi, ou pas capable rester ferme en dans sanctuaire l'Éternel là, en dans royaume l'Éternel là, sont pas tombés. C'est les ou obéir, c'est les ou bien l'esprit de Dieu qui cap permettre ou obéir avec la loi de Dieu. L'Éternel te banon yon révélation, li di missionnaire, c'est sel moun qui animé de l'esprit de Dieu qui cap comprendre travail que MDC a fait. Sou pa gen l'esprit de Dieu, c'est normal pour révolter contre nous ou pas cap comprendre travail que n'a fait. C'est celle qui a l'esprit de Dieu qui cap répondre à l'appel. Comme l'Éternel déjà dit, s'il parti au vers lui ou pas qu'à venir. So heureux et béni moun ki vini yo parce que bon Dieu a tiré ou, il fait appel à ou. Heureux et béni. Bon Dieu bye MDC tout ça MDC besoin pour faire travail là. Gen moun ki vini sou terre, gen missionnaire ki vini sou terre rien ki pote tout ça nou bezwen ba nou. Missionnaire sou terre rien, nou pa voye kòb pou yo manje, nou pa voye kòb pou yo bwè de l'eau. Est-ce qu'on konnen yo gen tout ça? Missionnaire yo fèm konnen pendant yo nan akaye semen sa. De ba nou chiv batem k ap fèt nan akaye. Mercredi a yo baptize 603 moun. Akaye seulement, hein? Et bien, tout à Haïti, non? Je baptise 603 moun mercredi à Akaye. De ba dans l'autre chiffre. Dans mardi, te gen 900 moun qui baptise. OK? So, bon Dieu a fait travail li. So, béni moun ki kwe.
Béni moun ki accepte, ki tende et ki agit et obéit. Béni tout moun ki fait choix pour marcher selon l'ordre de Yahweh. Béni tout pasteur qui choisit pour accepter le message des 10 commandements en entier, qui va faire bac et qui même choisit pour évangéliser tout à leur tour, pour évangéliser, pour dire l'autre qui n'en fait noir, qui va accepter la loi de l'Éternel, les 10 commandements, pour faire connaître que n'en fait noir et que meilleur par là, c'est choisi pour marcher avec le message des 10 commandements. Enfin, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant, nous dit David dans Psaume 19, verset 8. La loi n'a pas le pouvoir de pardonner la transgression. Loi pas qu'à pardonner péché ou fait. OK? Le témoignage de l'Éternel est véritable. La loi révèle le péché et dirige nos regards vers Christ. Loi révèle, il faut voir au péché, il faut voir qu'on a besoin dirigeant vers Jésus-Christ pour capable jouer le pardon. OK? Quand une personne regarde attentivement la loi, avec l'esprit éveillé par l'Esprit Saint, l'esprit persuasif, il voit sa souillure et est alors dans une disposition d'esprit pour écouter un message qui offre la purification à travers Christ. C'est Jésus qui a pardonné péché. C'est Jésus qui a justifié. C'est Jésus qui a sauvé. La loi ne peut pas sauver. Mais la loi conduit vers Christ. Il faut que nous gardions la loi. Il y a quelqu'un qui a plein d'autres qui dit, mais nous même nous retournons dans l'ancien temps net. L'ancien temps net. Pas dans l'ancien temps non. Bon Dieu, son Dieu vivant, c'est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain. Notre Dieu est éternel. Vous pensez à bon Dieu dit, moi t'ai détourné face, moi de où, pour un pincel de temps. Ça veut dire que, imaginez que pour nous-mêmes, nous disons que presque 600, depuis en 1565, à peu près, que y a beauté esclave, y a beauté hébreu, entré en Haïti avec eux comme esclave. So, ça fait combien d'années? Depuis combien de temps n'a souffri? Bon Dieu, puis non. So, l'Éternel dit, pour un pincel de temps, moi te détourné face, moi de où? Mais, quand il y a moi retourné face à moi vers où? Où est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps pour l'Éternel, c'est son bagage illimité. Ça nous considère pour un bon temps pour l'Éternel. C'est un éclipse. Il y a un parcel de temps. Il déclare qu'elle y est pour lui. OK? So, nous besoin obéir à commandement bon Dieu. Même si ce n'est pas commandement qui a sauvé. Même si ce n'est pas la loi qui a sauvé. La loi dirige ou comme un miroir vers Christ. Et c'est Christ lui-même qui a justifié. C'est Yahweh lui-même qui a justifié. C'est Yahweh lui-même qui a sauvé. Quand Yahweh lui-même déclaré, je suis ton rédempteur, je suis ton sauveur, dans Ésaïe 54, je suis ton rédempteur et ton sauveur. Ça, c'est l'Éternel qui sauve. C'est Yahweh qui sauve. À travers son Fils Jésus-Christ. So, admettez foi, nous, dans le sacrifice que l'Éternel fait sur le bois infâme du calvaire, pour le témoigner comment nous remet nous. Et l'Éternel pas jamais suspendu comment lui remet nous. L'Éternel dit, lui remet mes païsiens. Lui remet nous. Un amour qu'on n'est pas capable de mesurer. Un amour qu'on n'est pas capable de décrire. On ne peut pas décrire la profondeur de l'amour de Dieu.
Bon Dieu dit, est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la famine qui est capable d'effacer l'amour qu'elle gagne pour vous? Il dit non! Pas grand rien qui a séparé lui-même avec nous-mêmes, lui-même avec les haïtiens, tellement nous aimons nous, d'un amour éternel. Un amour qui ne peut jamais faner. Un amour qui ne peut jamais tarir, qui ne peut jamais disparaître. So, on tourne face nous vers l'éternel, le Dieu Yahweh, le Dieu créateur de toutes choses, le Saint d'Israël. On tourne face nous vers lui pour nous garder sa loi. C'est l'éternel même qui voyait les 10 commandements pour peuple haïtien capable de restaurer, pour capable de retourner vers lui. Sans les 10 commandements, ou pas capable de retourner vers l'éternel. Ok? Jean l'éternel dit, les 10 commandements, pas seulement dans le sanctuaire terrestre que Moïse a construit, en dedans, table de l'alliance là, ok? À convenant là, il n'est pas seulement mettre les 10 commandements en dedans, mais il dit, 10 commandements, dans le ciel là tout, en l'air à tout. Parce que les mots du table de Moïse, modèle sanctuaire terrestre là, il dit, regardez ce modèle. C'est même Jean où est Montrolina pour faire sous terre. C'est même Jean tout, il existait dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, il dit, il existait en haut à tout. Bon Dieu, grand sanctuaire en l'air à tout. Ok? So, à travers les 10 commandements, qui ont dans acte de covenant là, ok? Acte de l'âge de l'alliance là, à travers les 10 commandements que bon Dieu a jugé nous, a jugé la terre. À travers sa loi, l'Éternel va juger nous. Si nous ne sommes pas capables d'obéir au commandement de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse et que nous capables de trouver un moyen dans le cœur pour garder les commandements de Dieu. Que bon Dieu éveille conscience et que vous capable marcher pas à pas à obéir à commandement Yahweh et que lorsque bon Dieu vini qu'elle capable dit à vous-même bon et fidèle serviteur et il capable recevoir dans le royaume c'est prière pour vous. Je dis à qui est capable de faire bon choix et choisir pour faire partie du royaume de Yahweh. Et spécialement, le royaume ça qu'il a établi en Haïti pour les fils d'Israël. Amen.